Cette semaine, Méditerranéo s'intéresse pour commencer aux craintes des réfugiés au Liban après les premières mesures anti-immigration de Donald Trump. Nous irons ensuite au Kosovo où les relations demeurent très tendues entre Serbes et Albanais. Cap sur le Maroc pour découvrir une initiative originale dans le secteur de l'économie informelle et du recyclage des matériaux. Enfin, la séquence mémoire, nous reviendrons sur la créativité des artistes lors de la révolution tunisienne. Interdire le territoire américain aux ressortissants de 7 pays musulmans. La mesure de Donald Trump est désormais suspendue, mais a provoqué une grande vague de protestations. Au Liban, où vit plus d'un million de réfugiés syriens, certains accusent le coup. Leur rêve d'ailleurs s'est évanoui, et pour les ONG américaines, c'est l'incertitude qui domine. À voir les paysages enneigés et paisibles de la Beka, difficile d'imaginer que la guerre est toute proche. Derrière ces montagnes, à 1 kilomètre seulement d'ici, la Syrie. Depuis 4 ans, la famille Ramadan a trouvé refuge côté libanais. Dans cette petite pièce d'une dizaine de mètres carrés, entassée à 6, ils rêvent d'ailleurs, pourquoi pas d'Amérique. Il y a un mois, ce courrier leur notifie la bonne réception de leur demande d'asile. Suffisant pour que la famille se prenne à rêver. On était tellement heureux. On a fait la fête, on a poussé des youyou. Notre joie était immense parce qu'on se disait qu'enfin, on allait sûrement partir d'ici. Mais depuis, les choses ont changé. À peine investi président, Donald Trump décide de fermer les frontières de son pays aux ressortissants de certains pays musulmans, notamment les Syriens. Les espoirs laissent place à l'incertitude. Pour le père de famille qui souffre d'insuffisance rénale, le choc est difficile à encaisser. Cette décision m'a beaucoup affecté, énormément. Moi, je ne veux pas aller aux États-Unis pour jouer les touristes. Non, je veux y aller pour me faire soigner. Ici, au Liban, il n'y a aucun avenir pour mes enfants et moi. Notre avenir ici, c'est la mort. Comme M. Ramadan et sa famille, plus d'un million de Syriens vivent au Liban. Ici, la décision de Donald Trump a ajouté du désespoir au dénuement. Car pour beaucoup, les années de guerre et d'errance ont créé de graves problèmes de santé. Dans cette salle d'opération ce jour-là, une Syrienne d'une trentaine d'années, cette veuve, et mère de 2 enfants n'a pas vu de gynécologue depuis des années. Sa situation est trop grave. Les médecins vont lui retirer son utérus. Derrière leur masque, des chirurgiens américains. Un acte médical, mais aussi un engagement politique. Trump semble vouloir fermer la frontière à tous les musulmans. C'est complètement ridicule. Notre présence ici permet de montrer que nous, nous avons envie de travailler avec ces personnes-là. C'est une façon d'afficher notre soutien aux musulmans. Émilie Culbert fait partie d'une association de médecins américains. À leurs frais et sur leur temps libre, ils viennent opérer des réfugiés syriens, les soigner, mais aussi tâcher de leur montrer que ne les ont pas oubliés. Vous êtes prête? On peut y aller? Paula Hendricks est venue ici avec son mari. Il est syrien. Lui aussi est venu opérer. Un engagement, mais aussi un risque. La décision de Donald Trump est intervenue quelques jours seulement avant leur départ. On s'est dit, on y va quoi qu'il en soit. Pourtant, nos proches nous ont déconseillé de venir. Ils nous disaient qu'on ne pourrait pas rentrer. Qu'on essaye de nous empêcher de rentrer, qu'on essaye de nous empêcher de venir ici pour aider les gens. Moi, ce que je dis à Trump, c'est qu'il ne donne pas une très bonne image de notre pays. Alors on a le devoir de le faire à sa place. Toute l'année, des volontaires américains se relaient dans la région de la Beka. Aux côtés de confrères syriens, ils réalisent plus de 300 opérations chaque mois. Celle qui coordonne toutes ces missions, c'est elle, Yara, 24 ans.
Je vais te donner le numéro de téléphone de notre hôpital. Tu peux y aller pour voir si tu as besoin d'être opéré. Les décisions de Trump risquent de lui rendre la tâche plus ardue. Si par réciprocité on interdisait aux ressortissants ou aux résidents des États-Unis d'entrer dans certains pays musulmans, notre travail risquerait d'être compromis. On ne pourrait plus travailler dans ces pays si les citoyens américains étaient interdits de séjour dans des pays comme le Liban, la Jordanie ou la Turquie. Malgré ces difficultés, les bénévoles font bonne figure. Dans les allées de ce camp improvisé, là où des maladies comme le choléra et la tuberculose ont réapparu, il tente de redonner espoir en l'avenir. Dans ses bagages, cette infirmière a apporté un petit cadeau pour les habitants du camp. Ces lettres sont pour vous. Elles ont été écrites par des réfugiés syriens qui vivent maintenant aux États-Unis à Atlanta, dans l'État de Géorgie. Si certains veulent écrire un mot ou faire un dessin, allez-y. Des mots de jeunes Syriens à d'autres Syriens. Bonjour, je m'appelle Dana. J'ai 13 ans, je viens de Homs et j'habite aux États-Unis depuis 5 mois. J'espère que tu vas m'écrire. Des paroles enfantines, mais surtout un rare moment d'évasion. Pour des réfugiés coincés entre une Syrie où ils ne peuvent plus retourner et un Liban qui ne veut pas d'eux. Les récentes déclarations de Donald Trump achève de les isoler un peu plus. C'est une guerre oubliée, la dernière qui a déchiré l'ex-Yougoslavie. En 1999, Milosevic est encore au pouvoir à Belgrade. Les bombardements de l'OTAN font plier le régime serbe, accusé de réprimer la population albanaise de la province. L'indépendance du pays en 2008 n'a guère modifié les relations toujours très tendues entre Serbes et Albanais. Gros plan sur la ville de Mitrovica, coupée en deux. Sur la carte de l'ex-Yougoslavie, certains fleuves sont devenus des frontières, et des ponts apparaissent aujourd'hui comme des lieux symboliques de guerre ou de paix. Au Kosovo, le pont de Mitrovica continue à diviser. La mosquée sur sa rive nord a été incendiée pendant la guerre en 1999. Depuis cette date, ce lieu n'a cessé d'être le théâtre de tous les affrontements entre Albanais et Serbes, souvent meurtriers. L'indépendance du pays en 2008 n'arrange rien. La population serbe de la ville est retranchée au nord et ne reconnaît aucune institution centrale. La ville reste coupée en deux par ce pont, dont la reconstruction a été entièrement financée et pilotée par la communauté internationale. Ce pont n'a pas réussi à s'intégrer, ni dans la partie sud de la ville, ni dans sa partie nord. Du point de vue de son architecture aussi, ça ne marche pas. Pour moi, c'est un pont froid, un pont gelé, un pont monument. Pourtant, je n'ai pas envie qu'il reste comme un pont monument. J'aimerais qu'il retrouve sa vie. Le pont n'est pas inscrit sur la liste du patrimoine du Kosovo. Il reste sous une surveillance plus ou moins soutenue de la KFOR, Force internationale de maintien de la paix, qui n'a pas quitté le Kosovo depuis la guerre de 1999. Son inauguration est sans arrêt reportée. Il fait malgré tout partie du décor du quotidien. Les jeunes viennent y faire des selfies, et c'est un chemin obligé pour les Albanais qui vivent encore dans la partie nord de la ville. Nous espérons qu'un jour ce pont devienne celui de l'unification, surtout pour moi et les Albanais qui vivons dans le nord. La ville est séparée et on ne vit pas dans de bonnes conditions de sécurité. Personne ne s'intéresse à nous. Nous espérons que la situation va s'améliorer et que dans le nord nous pourrons circuler librement, car c'est notre ville aussi. Deux villes se font face, les contacts entre les deux municipalités sont rares, leurs porte-paroles se croisent plus facilement loin des Balkans. Le pont est devenu un tel enjeu diplomatique et politique qu'il fait partie des difficiles négociations menées entre la Serbie et le Kosovo à Bruxelles.
La question du pont qui est dans l'agenda et les accords de Bruxelles, nous pensons que c'est une erreur, un artifice, parce que le pont fait partie du Kosovo. C'est une question qui appartient au Kosovo lui-même. C'est à nous de régler cette question ici. Et je ne vois pas pourquoi ça doit faire partie d'un dialogue entre le Kosovo et la Serbie. En décembre 2016, à l'entrée de la partie nord, la municipalité serbe construit ce mur. Les Albanais du Sud crient à la provocation. Les Serbes avancent qu'il s'agit là d'un simple mur de soutènement. L'affaire tourne au scandale diplomatique. Le Parlement kosovar ordonne sa démolition. Les autorités serbes locales se plieront finalement aux ordres de Pristina en février 2017. Mitrovica a été divisée injustement en deux communes pour des raisons politiques. Malheureusement, pendant tout ce temps, la politique est allée trop loin. Et nous faisons face aujourd'hui à deux réalités bien différentes. Simplement, à ce rythme-là, nous courons droit à la création de deux villes au sein de la même ville. Et ça, c'est inacceptable. Nous ne l'accepterons pas. Le Nord a sa télévision, Most, ce qui signifie pont en serbe. Une cinquantaine de personnes y travaillent. Beaucoup ont été expulsés de la télévision publique à Pristina pendant la guerre. La chaîne locale est financée en partie par le gouvernement serbe. Chaque jour, inlassablement, elle rend compte du dialogue impossible. Oui, évidemment, on travaille beaucoup sur le pont. Dernièrement, il y avait le sujet sur le mur. Ça nous a pris beaucoup de temps. C'est ouvert, ça se referme. Le pont revient tout le temps dans l'actualité et dans mon travail. Je ne suis pas fatiguée de traiter ce sujet. Le pont est le symbole de notre ville, de nos êtres. Le nord de la ville affiche ses opinions. Dans la banlieue de Mitrovica, une fresque murale représente Mladic comme un héros. Ratko Mladic est l'ancien chef militaire des Serbes de Bosnie, accusé de génocide par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Plus loin, c'est Donald Trump qui soutient les Serbes, non loin du pont. Autant d'images symboliques pour démontrer que le Kosovo est une région serbe. Je n'ai pas de problème pour m'exprimer sur ce sujet. En ce qui me concerne, moi je vis en Serbie. Je ne suis pas né ici, mais j'y vis depuis longtemps. Pour moi, le Kosovo est partie intégrante de la Serbie. Personnellement, je ne reconnais pas la République du Kosovo, son indépendance, je ne la reconnaîtrai jamais dans ma pensée. C'est le point de vue des Serbes du nord du Kosovo, et je le dis directement. Pour nous, le Kosovo indépendant n'existe pas. Pour nous, c'est la province serbe du Sud. Ceci est notre point de vue et fait partie de notre politique rédactionnelle, et c'est comme ça. Plus encore qu'un mur, c'est un train qui a bien failli déstabiliser toute la région. En janvier 2017, la Serbie a voulu rétablir une ligne ferroviaire entre Belgrade et Mitrovica. Le train, aux couleurs du drapeau serbe, est arrêté en pleine nuit. Sur les wagons sont écrits ces mots « La Serbie, c'est le Kosovo ». Pristina a considéré qu'il s'agissait là d'une démonstration ultranationaliste. Le dialogue, une fois encore, a été interrompu et l'inauguration du pont reportée. C'est un exemple d'intégration réussie de l'économie informelle avec un bénéfice pour l'environnement. Au Maroc, lorsque les autorités ont décidé de fermer une décharge sauvage près de Rabat, elles ont permis à 150 chiffonniers qui vivaient de la récupération de matériaux de poursuivre une activité, mais cette fois au sein d'une coopérative. Tonnes d'ordures défilent chaque jour sous leurs yeux experts. Plastique, métal, papier, carton, ils récupèrent tout ce qui est recyclable. Les 150 membres de la coopérative à Tawafok étaient tous chiffonniers sur la décharge sauvage d'Akrush. Ils vivaient alors au milieu des ordures. L'ouverture du centre d'Oumaza, c'est un peu de dignité retrouvée. Avant, nous subissions la pluie, le soleil, la chaleur et tout ce qui s'ensuit. Aujourd'hui, Dieu merci, tout va bien. Nous sommes équipés de gants, de tabliers. Ça nous permet d'arriver et de repartir avec des habits propres, contrairement à avant.
La chaîne de tri et la coopérative ont été créées lors de l'ouverture de cette décharge, gérée par le groupe français Pizorno. Atawafok signifie « solidarité ». Tous les membres de la coopérative sont traités sur un pied d'égalité. Plus question de se disputer les matériaux les plus recherchés sur l'état d'immondice. La loi de la jungle, le principe selon lequel le plus fort mange le plus faible, s'est terminé aujourd'hui. Lors de notre assemblée générale annuelle, nous nous sommes mis d'accord sur un salaire de 230 euros mensuels pour tous. Et le surplus, s'il y en a, sera redistribué sous forme de primes lors de la prochaine assemblée. Des silhouettes qui font partie du paysage. À Rabat, il serait 350 à arpenter les rues chaque nuit, à tirer leurs carrioles sur des dizaines de kilomètres, de poubelle en poubelle, à la recherche de tout ce qui peut avoir une deuxième vie. C'est une bonne poubelle. Dans cette poubelle, il n'y a rien de mauvais, à part peut-être les microbes dans les cartons. Abdelatif Akrimi est chiffonnier depuis 27 ans. Malgré la pénibilité, il aime la liberté que lui offre son activité. Ses maigres revenus lui ont permis d'amener ses deux enfants jusqu'à l'université. On gagne chaque jour ce que Dieu nous donne. Un jour c'est 7 euros, un autre 9. Parfois plus, parfois à peine 5 euros. C'est ça le métier. Il n'y a pas de règles. C'est comme pour les gens qui font du commerce. Retour au centre d'enfouissement technique d'Oumaza. Chaque jour, les déchets de 2 500 000 habitants de Rabat et ses environs arrivent ici. Un quart des camions est dirigé vers le centre de tri où s'affairent les membres de la coopérative Atawafok. Au fond de la cour, Driss Gmiri procède à un deuxième tri. Cuivre, aluminium, plastique sont séparés. Tout est bon, ou presque, même les restes de fémur des animaux de boucherie. Ça sert à la décoration des plateaux de table, à la marqueterie. Ils le mélangent avec du cuivre et parfois, ils le martèlent. Les matériaux sont regroupés en immense monticule avant d'être revendus à des sociétés de recyclage. Il y a à peu près 1,7 tonne. Dieu me garde. Il y en a bien 1,7 tonne. Un véritable trésor. La fonte d'aluminium se vend jusqu'à 1000 euros la tonne. Et la coopérative en récupère environ 1 tonne par mois. La matière qui rapporte le plus à la coopérative, c'est la fonte d'aluminium. Mais on en récupère beaucoup moins que les canettes. Les canettes, c'est 7 tonnes par mois, 835 euros la tonne. Le Maroc entend montrer la voie du développement durable au Maghreb. Énergie renouvelable, mais aussi gestion des déchets. Et comme le tri sélectif n'est pas encore en place à la source, chez le consommateur, 16 centres, comme celui d'Atawafok, vont voir le jour dans le pays. Il y a le programme national des déchets ménagers, voilà, qui est venu pour renforcer un peu l'arsenal juridique concernant la gestion des déchets, et dans lequel il est prévu aussi la réduction des gaz à effet de serre et la structuration de la filière tri-recyclage des déchets. L'objectif du Maroc est d'éliminer totalement les décharges sauvages. À Oumaza, le méthane issu de la fermentation des déchets organiques est récupéré et brûlé par une torchère. Il pourrait bientôt servir à produire de l'électricité et ainsi contribuer à l'ambitieux plan marocain de réduction des gaz à effet de serre, moins 13% d'ici 2020. La révolution tunisienne a constitué un immense espoir pour la presse. Les artistes ont aussi exprimé leur soif de démocratie. Ainsi, les murs de Tunis n'ont jamais autant parlé. Graffeurs, plasticiens, cinéastes, photographes, tous ont raconté leur révolution en s'inspirant de l'actualité lors de ces événements. C'est la séquence Mémoire d'aujourd'hui.
Dire, parler, exprimer, plus de 6 mois après la chute de Ben Ali, Tunis continue à bouillonner. En ce mois de juillet 2011, pas une semaine ou presque sans manifestation. La terreur dégage, disent entre autres les participants à cette marche organisée par plusieurs partis contre la violence, notamment policière. Les mots de la révolution sont partout. L'espace public de la nouvelle Tunisie n'est plus confisqué par le pouvoir. En grand, en très grand, des visages par dizaines. C'est le français JR qui est à l'origine de ce projet intitulé « Artocratie ». Il est connu pour avoir placardé en Israël le mur de séparation de portraits de Palestiniens et d'Israéliens. Ici, il a constitué une équipe avec 5 autres artistes tunisiens. Tous ont sillonné le pays en quelques jours, en pleine révolution. Il fallait aborder des inconnus dans la rue, leur poser une question, à savoir quelle est votre conception du bonheur, comment vous voyez votre avenir. Et quand on posait cette question à de parfaits inconnus, on voyait leur vie défiler sur leur visage. Donc une multitude d'expressions qu'on shootait très rapidement pour n'en sélectionner ensuite qu'une seule. Et donc on avait l'impression, enfin moi en tout cas, j'avais l'impression d'entrer le temps d'une pause dans l'intimité de ces gens-là. Et ça crée une relation très particulière avec le modèle. Ella Amar fait alors partie de l'équipe de JR. Moment de bonheur, dit-elle, qui ne va pas durer. L'accueil réservé à ce travail inédit en Tunisie est contrasté. Si le collage se passe plutôt bien, nombreuses sont les images qui très vite sont arrachées. À la Goulette, elles avaient pris la place du portrait de Ben Ali. J'avais ressenti ça comme une réelle agression. Parce qu'on voulait réellement rendre hommage au peuple tunisien. Et on avait en face de nous des gens qui étaient complètement hermétiques et qui ne nous comprenaient pas. Ensuite, j'ai compris qu'on était réellement dans le dialogue, qu'il fallait s'écouter mutuellement, que finalement cette attitude était complètement compréhensive. C'est tout un peuple quand même qui a été privé du droit à la parole et du droit à la propriété de l'espace public. Hein. Et de la propriété de l'espace public pendant plus de 23 ans et qui s'exprime. Il a vu le jour sur le mur virtuel de Facebook. Le chat Willis, créé par l'artiste tunisienne Nadia Kiari, est devenu très célèbre. Avec la même ironie, il commente l'actualité sur des murs réels, dans les palais de Ben Ali et de sa famille. Celui-ci, dans la grande banlieue de Tunis, appartenait au beau-frère du dictateur, Belhassène Trabelsi. Luxueux comme tous les autres, pillé lui aussi dans les jours qui ont suivi le départ de Ben Ali, et désormais propriété de l'État. En quelques semaines, le changement de décor est radical. La maison est devenue un des lieux préférés d'un collectif de graffeurs. Il y a beaucoup de gens qui se sont exprimés sur les murs, que ce soit graffiti, collage, pochoir, toutes les formes du street art, quoi. Maintenant, en plus, il y a beaucoup de potentiel en Tunisie. Avant, on ne savait pas, parce que tout le monde avait peur de faire quelque chose et après avoir des problèmes et tout. Maintenant, tout le monde s'exprime. Ismat prend sa revanche. Cet étudiant en cinéma graffait depuis 5 ans dans son quartier, la nuit le plus souvent. Avant la révolution, quand on sortait pour taguer, les sujets qu'on abordait étaient en rapport avec nos histoires personnelles, ou bien on graffait nos noms sur les murs. Surtout, on faisait des graffitis contre la police. À l'époque, c'était elle qui exerçait le plus de répression, aussi bien sur la musique que sur les arts de la rue, sur le peuple. «
Peu à peu, les traces des mots de la Révolution s'effacent. Les premières œuvres, comme les figures de Zéo Project, rendant hommage aux martyrs, disparaissent. Les artistes qui ont contribué à cet essor spontané rêvent d'un musée de la Révolution où leurs travaux seraient exposés. En attendant, ils conservent parfaitement la mémoire ailleurs, sur le web. Méditerranéo est terminé pour cette semaine. Rendez-vous très bientôt pour de nouvelles découvertes en Méditerranée.